Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui para a sétima sessão do Seminário Arcaico desse semestre. Antes de começar as apresentações desse seminário muito especial de hoje, eu gostaria apenas de manifestar aqui a adesão da Cátedra Arcaico ao Dia Nacional de Luta. Né? A gente recebeu ontem por e-mail, o e-mail da ADUMB, pedindo uma paralisação para o dia de hoje, mas no próprio e-mail tem uma recomendação, né, de caso não seja possível parar as atividades, fazer menção a esse dia de luta. Então, é claro que a Arcai apoia e adere, né, a pauta do dia de luta da ADUMB, enfim. Por questões práticas da agenda do seminário, ter sido muito complicado a gente adiar o seminário de hoje. E, além disso, no momento em que as universidades e a ciência brasileira estão sofrendo, né, vem sofrendo sérios ataques, nós também acreditamos que divulgar a ciência de qualidade é uma forma de resistência, né? Então, por isso, eu fico muito honrada, inclusive, de ter nessa sessão de hoje, nesse dia de luta, né, como conferencista aqui no nosso seminário, a professora Sandra Beringer, da Universidade de Estrasburgo, que trabalha, né, já há algum tempo com gênero e sexualidade na Antiguidade Greco-Romana, né? Ela é autora desse livro aqui, A Homossexualidade Feminina na Antiguidade Grega e Romana, que saiu pela Belles Lettres em 2007. Também foi coorganizadora com a Violaine Sibillard-Coucher de um livro que é muito interessante, Hommes et femmes en Antiquité, né, Homens e Mulheres na Antiguidade. Enfim, também já fez diversas conferências em colaborações, tanto com colegas argentinos quanto com colegas brasileiros, no campo, no âmbito da escola lacaniana de psicanálise, né, sobretudo tratando de temas que envolvem eros. Enfim, e eu fico realmente muito contente, né, e muito honrada de ter a Sandra aqui conosco nesse dia. Antes de passar a palavra para a Sandra, eu gostaria de fazer ainda uma breve explicação sobre o título da conferência e a tradução que foi dada ao título da conferência, né? Porque no título em francês, Ça faut encore, esse encore, ele remete a um vocábulo grego, né, que é muito comum em vários poetas médicos, em Safo, em Anacreonte, enfim, em vários cantos da poesia erótica grega, né, a fórmula Eros Deuter, né? Eros, de novo, me atingiu, me atacou, enfim. Então, Sandra tinha me informado que o encore do título fazia referência, né, a esse de novo. E eu falo de novo porque a tradução mais comum, né, que a gente vê para esse termo Deuter nas traduções em língua portuguesa é de novo. Está perfeitamente correto. A questão é que eu me lembrei, enfim, eu gosto muito de bossa nova, e eu me lembrei, né, de uma canção do Tom Jobim, que eu conheci na voz da Nara, né, onde fica se repetindo, outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar, e que me lembra muito, né, esse Deuter, de novo, sempre vinculado às aparições de Eros na poesia américa. E assim, a gente optou, né, por manter outra vez aqui num eco tanto ao Deuter quanto à canção de Jobim, numa referência também à questão, enfim, às novas ferramentas, né, que a Sandra vai mencionar na conferência dela, da etnopoética tal como praticada, sobretudo
no ateliê Antiquité au Présent, né, que era organizado por Claude Calame, Florence Dupont, e um ateliê muito interessante, onde você tinha, de fato, uma série de comparações de traduções poéticas de qualquer canto do mundo, né, esse, enfim, alguns dos participantes do ateliê né, saíram nessa coletânea aqui, né, La Voix Actée, A Voz em Ato, né, e eu estou explicando isso um pouco, meio que para deixar claro, né, que esse eco, a canção de Jobim, ou essa comparação que está sendo feita aí entre tradição de canção grega e tradição de canção brasileira, não passa, né, ou não tem como objetivo buscar uma instância universal do amor, ou não tem como objetivo ver na semelhança entre uma tradição e outra, né, um denominador comum universal. Muito pelo contrário, essa etnopoética, em suas comparações contrastivas, né, ela toma esses pontos de contato, essas semelhanças como contatos superficiais, a partir dos quais a gente pode traduzir uma cultura nos termos da outra, né? Então, ela não implica a busca de um universal comum, né, mas sim pontos de contato que possam iluminar novas leituras, diversas leituras, e que, sobretudo, sempre levam em conta quem está cantando o que para quem, né? O contexto de performance dessas vozes em ato. Enfim, já tardou demais, eu vou passar a palavra para a Sandra. E vamos, é claro, ouvir e ver aqui a tradução da conferência dela. Sandra, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. C'est vraiment un honneur, quoi. Et je te passe la parole. Merci, Gata. Caros y caras, amigos y amigas. Caros y caras, colegas. Fico realmente muito feliz de estar aqui com vocês. Me sinto muito no poder estar aí com vocês hoje em Brasília. Para a sobrevivência de todas e todos, vou continuar em francês, mas agradeço profundamente as organizadoras e organizadores por este convite. Tout d'abord, je souhaite remercier vivement les organisateurs et les organisatrices de ce séminaire pour leur invitation à participer à cette rencontre, en particulier Agatha Bacelar et Enrique Bonadas, et également remercier Agatha pour la traduction de mon texte. Nous avons tous ici fait suffisamment de traductions pour savoir la difficulté et l'aspect chronophage d'un tel exercice. Et je suis également heureuse de retrouver Gabriele Corneli, c'est plutôt autour de Platon, que je l'avais entendu à Pise et à Paris, si ma mémoire est bonne, mais les platoniciens, je le sais, apprécient également Sappho. Enfin, je suis particulièrement heureuse de parler devant mes amis brésiliens et brésiliennes, car cela fait plusieurs années que je suis amenée à collaborer avec des collègues du Brésil dans le champ de l'Antiquité, mais aussi avec des collègues en psychanalyse, et je ressors de nos échanges toujours nourris de mille idées nouvelles et pleines d'énergie. Donc, vraiment, merci. Agatha, est-ce que tu peux traduire la phrase suivante ? Je voulais dire que je m'associais totalement à la lutte et à la grève dont parlait Agatha, que vous faites en ce moment au Brésil. A Sandra quis dizer, né, que dá todo o suporte e adere à luta e à paralisação que a gente fez menção no começo, na abertura do seminário. Obrigada, Sandra. Ah, merci, Agatha. Bom courage à vous tous et tous. On a besoin. Aujourd'hui, je voudrais partir d'une citation assez provocatrice de Claude Calame, pour entrer dans le vif du sujet. Dans le récit en Grèce ancienne, Claude Calame identifiait le mal chronique d'une philologie à bout de souffle. Je cite « Ce n'est un secret pour personne. Il est désormais possible d'écrire sur un poème de Sappho ou de Théocrite une étude de 20 pages
en se bornant à citer en de longues notes les tentatives interprétatives de ses prédécesseurs. L'essentiel de l'étude sera dès lors fait de leur résumé, assorti de quelques corrections portant sur des points mineurs. Le même écueil existe pour les anthropologues de l'Antiquité et les historiens qui, à défaut de matériaux nouveaux ou apportant un élément original, se retrouvent à commenter et à reprendre à l'infini les poncifs sur, pour parler des sujets qui nous concernent, l'amour en Grèce, la pédérastie, l'initiation ou encore l'homosexualité provisoire, voire encore sur les femmes éternelles mineures. Ce sont ces commentaires à bout de souffle qui portent sur l'héros antique que je voudrais déconstruire avec vous aujourd'hui, grâce à une découverte papyrologique récente et un travail d'analyse de documents que j'ai la chance de mener en collaboration avec mon collègue et ami Claude Calin. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre connaissance de la Grèce antique peut progresser selon trois directions. Par la découverte de nouveaux documents, mais en matière de poésie, les occasions sont rares, hein, les nouveaux papyrus de Sappho sur ces dix dernières années sont des exceptions qui confirment la règle. Par l'élaboration de nouvelles approches de matériaux antiques, ensuite, liées à l'évolution des techniques et des sciences expérimentales. Enfin, par l'évolution des outils épistémologiques de l'histoire et de l'anthropologie culturelle et sociale. Dans le cas du thème qui nous intéresse aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de la rencontre de ces trois éléments simultanément. Tout d'abord, la découverte de deux nouveaux papyrus de Sappho en 2004 et en 2014. Ensuite, les progrès techniques dans le champ de la papyrologie qui permettent désormais des recoupements grâce aux bases de données, à la numérisation des documents et aux contacts internationaux rapides. Et enfin et surtout, troisième point, grâce aux méthodes des études de genre, des récents travaux sur la sexualité et de l'ethnopoétique, à savoir l'analyse des textes en tant que performance orale et physique. Les vents nous sont donc favorables. Je vous propose de monter dans la nef avec moi, si vous le voulez bien. Commençons. Je voudrais, dans un premier temps, vous présenter brièvement les découvertes récentes de fragments de Sappho en 2014 et en 2004, puis, dans un second temps, faire un point rapide sur ce que l'on constate dans l'œuvre de Sappho en général, quant au genre des protagonistes. Puis, je reviendrai sur ces deux nouveaux textes, le fragment 58 et le chant à Cupris, pour analyser avec vous ce qu'ils nous apportent pour compléter ou préciser cette réflexion sur le genre et surtout pour caractériser l'éros chanté dans les poèmes de Sappho. Commençons encore. Acte 1. Cologne, 2004. En 2004, des papyrologues découvrent dans un cartonnage de momies conservé à la bibliothèque de Cologne ce nouveau papyrus contenant du texte grec. Il date du IIIe siècle avant notre ère. Alors, vous pouvez monter, voilà, il est beau. J'ai eu le bonheur de faire de la papyrologie à l'Université de Strasbourg et aussi de faire des campagnes de fouilles. Et j'ai restauré des papyrus en Égypte, à Tunis. Et donc, voir ces beaux fragments me donne des fourmis dans les doigts, tellement ça donne envie de les toucher. Comme nous sommes en 2004, les bases de données existent, ainsi que la possibilité d'accéder rapidement à des photos d'autres papyrus. Les mots que l'on peut déchiffrer permettent aux papyrologues de croiser ce passage avec les quelques vers de Sappho qui ne sont parvenus via un papyrus provenant d'Oxyrhynchos et daté, lui, du 2e ou 3e siècle de notre ère. Il a été édité en 1922, vous pouvez le voir. Peut-être, voilà. Alors, ce recoupement, plus précisément, pardon, il s'agit de celui-ci. Le voici de plus près. C'est le papyrus d'Oxyrhynchos. Voilà, papyrus d'Oxyrhynchos. Alors, le texte est assez lacunaire. Et voici ci-dessous la transcription du fragment dans l'édition de Edgar Lobel et Denise Page en 1955, complétée de l'apport de deux vers, les vers 25 et 26,
provenant d'un fragment de Clearch, qui sont cependant métriquement, incomplets. Il s'agit du fragment 58 dans l'édition de Voigt. Dans la suite de mon intervention, sauf mention de ma part, les numéros de fragments renvoient à l'édition de Voigt. Évidemment, comme tout fragment de papyrus, il a donné matière à une publication importante, mais dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir celui du genre et de l'éros, peu de choses ont été dites, ou alors assez contestables. Retenez essentiellement, à ce stade, cet article très important de John Winkler, Sappho and the Crack of Dawn, dans Journal of Homosexuality. J'y reviendrai. Le chevauchement entre le papyrus d'Oxyrhynque et le papyrus de Cologne est remarqué par Jürgen Hammerstadt. Là, il y a un petit problème d'image, mais ce n'est pas grave, on voit que les papyrus ont été joints. Alors, attendez, c'est quelque chose comme ça. Voilà, un premier, voilà, qui va correspondre à ce papyrus de Cologne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on voit les jointures. Grâce à cette découverte et à l'apport des nouvelles technologies également, voici le fragment 58 tel qu'il est désormais restitué à partir du papyrus de Cologne, du papyrus d'Oxyrhynque, du fragment d'Athénée. Et je vous livre aussi dessous l'édition de Dirk Obink dans l'édition Green and Skinner 2009. Il y aurait énormément à commenter sur l'édition, la lecture, le problème de la strophe finale avec le signe, le coronis qui se trouve dans le papyrus de Cologne, mais le temps nous manque et surtout ce n'est pas l'objet de mon intervention. Vous le constatez, il y a une grande différence entre le petit fragment de 1922 qui contenait très peu de mots complets et le fragment tel qu'il a pu être édité en 2004 grâce à la découverte du papyrus de Cologne. Autre chose très importante, le papyrus de Cologne, daté du IIIe siècle avant notre ère, devient la plus ancienne trace textuelle directe qui nous soit parvenue de la poétesse. C'est donc un événement dans le champ de la papyrologie qui a donné matière à de nombreux travaux sur la re-re-re-performance de ces poèmes à l'époque hellénistique. Mais la question qui m'intéresse aujourd'hui est de savoir si l'interprétation de ce poème en termes de genre et de sexualité, a évolué. Comme vous pouvez vous en douter, la production papyrologique et philologique a été particulièrement importante. Et en effet, ce n'est pas tous les jours que l'on trouve un papyrus de Sappho. Et il y a une centaine d'articles qu'il faudrait que je signale en bibliographie. Notons principalement ce volume collectif. Voilà, ce volume collectif paru peu de temps après et qui propose une édition et des informations précieuses et qui rassemble les principales interprétations. Le titre donne la ligne directrice de ces nouvelles interprétations. The New Sappho on Old Age, un poème sur la vieillesse. Ne soyez pas déçus, j'y reviendrai. Donc c'est l'ouvrage de Green et Skinner, The New Sappho on Old Age. Acte 2. Un papyrus de provenance inconnue, passé par Oklahoma City, on ne sait pas très bien, Washington, Oxford, mystère. En 2014, un nouveau séisme agite le monde de la papyrologie et des spécialistes de Sappho. Le professeur de l'université d'Oxford, Dirk Obink, fait connaître au monde scientifique l'existence d'un nouveau papyrus provenant d'une collection privée. La provenance est inconnue. Ainsi que des petits fragments appartenant à la Green Collection qui contiennent de nombreux fragments de Sappho. Peut-être qu'on peut. Voilà, le grand et les petits fragments. C'est un grand événement qui donne matière à de nombreuses publications, également dans la presse grand public. Je ne peux pas vous raconter toutes les histoires et toutes les étapes de cette histoire. Mais le dernier rebondissement a donné matière à davantage d'articles encore, puisque l'on pense que certains de ces papyrus ont été volés,
que le professeur est actuellement accusé et qu'il fait l'objet de poursuites, et qu'une partie de ces fragments a été renvoyée en Égypte, puisqu'il s'agit de papyrus sortis illégalement. À ce stade, il est difficile de savoir où se trouve le grand fragment et par où il est passé. Même cette vidéo, projetée par le musée de la Bible à Washington, est actuellement remise en doute. Et il est possible que le grand papyrus n'ait jamais quitté l'Angleterre. You can see the Green Collection, Museum of the Bible, Washington DC. Là aussi, il serait trop long de raconter toutes les étapes, mais retenons que ces deux groupes de papyrus datent du 3e siècle de notre ère et proviennent peut-être d'un cartonnage ou d'une couverture de livre et non de momies, comme cela avait été affirmé dans les premiers temps. La grande pièce a été nommée du nom de celui qui l'a fait connaître, P. Saf Obink. Dans le P. Saf Obink, on lit deux poèmes, dont l'un est complet, ce qui est un véritable miracle dans l'histoire des textes de Sapho, et le second est très fragmentaire. Des recoupements avec des tout petits fragments du papyrus d'Oxyrhynchos, de deux papyrus d'Oxyrhynchos, ont permis de corroborer l'attribution de ces vers à Sapho. Le contenu également a facilité cette attribution, car le premier poème mentionne des moments de la biographie de Sapho, puisqu'elle parle de ses frères, et a été nommée par les papyrologues le Brother Song. Juste pour vous donner une idée de la longueur, voici la première retranscription par Dirk Obink en 2015. On peut montrer la suite. Malheureusement, le poème qui nous intéresse davantage, celui adressé à la déesse Cupris, est très fragmentaire. Le poème des frères, tout en haut, et en dessous, la partie finale abîmée, le chant à Cupris. Et encore plus bas, le chant à Cupris. Ce dernier fragment a pu être identifié comme le fragment 26 de Sapho, que nous connaissions depuis 2014 grâce à ce tout petit fragment. Un fragment qui a permis de lire quelques mots que l'on retrouve dans le P. Saf Obink, ce qui est, admettons-le, toujours un étonnement face à ce hasard. Donc vous pouvez voir hein, les mots Tameo, Tina, Alemat, Gonem, Telo, Pate, etc. D'accord, c'est court, mais c'est du Sapho. Enfin, plus récemment, Simon Burris, en 2017, a permis de joindre ce fragment ou a permis de joindre un fragment provenant de l'ensemble de la Green Collection, il a pu le joindre au P. Saf Obink, confirmant ainsi que les deux ensembles sont en réalité des fragments du même rouleau ou du même morceau. Le fragment est tout petit, mais tout apport hein, permettant de compléter des lacunes est précieux. On peut le voir un peu plus bas, voilà ici. D'accord, c'est le tout petit fragment. Voilà. Voici donc la démonstration de cette jointure. Le recto. Waouh. Ok. Et le verso. Voilà la démonstration de cette jointure. Au fur et à mesure des avancées, l'édition change et de ce fait, les traductions et l'interprétation du poème. On peut voir le gros ouvrage collectif hein, de Birle et Lardinois, The New West Sapho, à l'intérieur duquel vous pouvez trouver l'article que j'ai écrit avec Claude Calame, Sapho and Cupris, The Vertigo of Love, Vertige de l'amour, pour une allusion à de la chanson française. Et encore l'article de Kyriakos Tsatsanoglou et de Sotiris Tselikas. Dans The New West Sapho. Voilà pour les principales nouveautés papyrologiques du XXIe siècle, auxquelles il faut bien sûr ajouter de nouveaux recoupements, de nouveaux joints, de nouvelles restitutions. La bibliographie est infinie. Mais, et c'est ce qui m'intéresse de voir avec vous maintenant, il s'avère que malgré ces découvertes, les philologues et les papyrologues n'ont que peu progressé dans l'interprétation globale des poèmes portant sur Eros.
Et c'est cet angle d'approche qu'il me semble important de poursuivre en prenant acte des critiques énoncées par Claude Calam et que j'ai rappelées au début de mon intervention. L'apport de nouveaux outils d'analyse, de nouvelles méthodes dans le champ de l'histoire et de l'anthropologie peut permettre d'aller plus loin. Alors, qu'en est-il tout d'abord du genre des figures qui apparaissent dans les productions chantées de la poétesse de Lesbos? Si les poèmes de Sappho chantent les affres de l'amour en général, il s'avère que l'éros, chanté en grande majorité, est, dans la fiction mise en scène, un élan ressenti par une femme et très généralement aussi pour une femme. Un relevé des marques personnelles permet un constat sans appel. Dans le corpus saphique, lorsque le genre des marques personnelles est visible, c'est-à-dire lorsque les formes ne sont pas épicènes, la persona cantans est une femme. Cette configuration d'une voix fictionnelle féminine, parfois chorale, est suffisamment rare, même si elle n'est pas unique dans le corpus antique, pour que l'on prenne le temps de le souligner. Alors, tout d'abord aussi, souvent, les premiers vers des poèmes ne dévoilent pas d'informations sur le genre du jeu poétique, mais des indices apparaissent dans les strophes qui suivent. C'est le cas, pour ne citer que l'un des plus célèbres fragments, le fragment 31, où l'adjectif hein, chlorothéra au vers 14 ôte toute ambiguïté. Il me semble pareil au Dieu, l'homme, quel qu'il soit, assis face à toi, et qui tout près entend tes douces paroles et ton rire enchanteur. Cela bouleverse en moi mon cœur, car un seul regard vers toi, et je ne puis plus parler, ma langue se brise, un feu subtil se répand sous ma peau. Mes yeux ne voient plus, mes oreilles bourdonnent, une sueur glacée m'enveloppe, un tremblement me saisit tout entière. Je suis plus verte que l'herbe et me sens près de mourir. Mais il faut tout tenter, car... Fin du fragment. Alors parfois aussi, le nom même de Sappho apparaît, toujours à la deuxième personne dans un discours rapporté, levant le doute également sur le genre de la personne. Voici un exemple. Le fragment 94 de Sappho. Je voudrais très sincèrement être morte. Elle m'a quittée, les yeux pleins de larmes, et a dit « Hélas, que de choses terribles nous avons vécues, Sappho, je te quitte, et c'est malgré moi. Mais je lui ai répondu « Bon voyage, souviens-toi de moi, car tu sais que je ne t'ai pas abandonnée. Peut-être ne le sais-tu pas, et je vais te le rappeler. Et nous avons vécu de belles choses, des couronnes de violettes et de roses, ensemble, tu t'empares près de moi, des fleurs exhalant les parfums délicats tressés autour de ton tendre cou. Et tu as répandu l'huile distillée de fleurs de cerisier, et sur une tendre couche, tu es parvenu au terme de ton désir. De doux, et aucun, ni sacré. Et nous nous sommes gardés d'aller, ni buisson, ni bruit. » Dans la majorité des poèmes, ce « je » poétique et fictionnel, celui d'une femme, parfois indirectement nommée Sappho, dit un amour intense, établit des parallèles avec des récits mythiques, hein, des palaïas homériques ou divins, évoque le contexte dans lequel ces poèmes sont chantés et dansés. Je interpelle les divinités, Héra et Cupris, décrit les effets du temps qui passe sur le corps, énonce les qualités des jeunes femmes qui l'entourent, raconte les départs, les séparations, les souvenirs radieux, les espoirs lumineux. De plus, que l'exécution du poème soit chorale ou monodique, et quel que soit le sexe des personnes qui chantent, les performeurs et performeuses énoncent, au moment de l'exécution du chant, des chansons à la première personne du féminin. Deuxième point. Dans l'extrême majorité des fragments également, la personne qui est la cause de l'élan érotique, hein, du jeu fictionnel et dont le manque est vivement ressenti, s'avère être une femme.
Elle est parfois nommée Attis, Anactoria, Nasidica ou Dica. Parfois, son nom n'apparaît pas, mais les indications données par le poème permettent très souvent de déduire son sexe. De très rares passages font exception à la règle, et dans cette configuration différente du cas majoritaire, on constate que l'amour pour un homme est alors ressenti par une tierce personne et qu'il n'est pas assumé par le jeu poétique. Ainsi, pour le dire plus clairement, lorsque le jeu poétique renvoie à Sappho, la personne aimée par jeu n'est pas un homme. Nous sommes donc en face d'un élan érotique que l'on nommerait aujourd'hui, de façon totalement anachronique, donc un élan lesbien ou homosexuel. Alors, est-ce à dire que, sous prétexte que le sentiment amoureux chanté dans le poème est ressenti par une femme envers une femme, est-ce à dire qu'Eros aurait un genre, qu'il serait différent de celui qui lit Paris à Hélène, Hector à Andromaque? Non, bien sûr. La façon dont Sappho décrit les symptômes provoqués par Eros, si elle lui reste poétiquement propre, ne diffère pas fondamentalement des symptômes que décrivent Anacréon ou Théoglis. Rien dans les poèmes ne permet de déceler la volonté de la poétesse d'exprimer une différence de nature entre l'éros qui naît entre deux femmes et l'éros entre un homme et une femme. Rien ne permet de voir l'idée d'une hiérarchie des amours sur le critère d'une normalité ou d'une conformité aux traditions, aux normes ou aux usages. C'est un point important à souligner. Alors, que dire de plus maintenant sur l'amour grâce aux deux fragments, aux deux nouveaux fragments ? Dans le chant à Cupris, apparaît le motif saphique d'un éros dont les effets sont proches de ceux décrits dans le fragment 47. Éros d'etinaxémoi phrénas, os anemos catoros drusin empeton. Éros a malmené mon cœur, comme le vent dans les montagnes s'abat sur les chênes. Cependant, dans le passage du papyrus Pessap Obink, apparaît la marque du féminin de la personne frappée par Eros, à la fin du vers 11. Pos, kedet, etis, etc. Je traduis. Comment ne pas être pris maintenant de vertige, obstinément, ô Cupris, maîtresse, quelle que soit la personne qu'on aime? Comment ne pas vouloir être délivré de la douleur que tu lui imposes? Pourquoi en vain m'agiter et me déchirer par le désir qui affole? Je t'implore, souveraine, tu me fais tant souffrir. Autrefois, tu n'étais pas et tu ne me refoulais pas. Toi, je veux souffrir cela. Quant à moi, je suis consciente de cela. Tout dans ces quelques vers, certes fragmentaires, hein, tout dans ces quelques vers, permet de voir l'expression d'un sentiment de manque inexorable qui n'est pas effacé par d'autres sensations, la conscience de soi et de ce qui arrive, mais sur lesquelles s'ajoutent, se mêlent et s'impriment les douleurs, les joies ou les surprises. Les sensations sont cependant, comme dans le fragment 31, paradoxales. Je est à la fois sous l'emprise d'un vertige, tout en ayant la lucidité d'en constater les effets. La personne aimée est désignée par une marque épicène, comme dans le cas du fragment 1 où la marque grammaticale du féminin n'apparaît pas au début du poème, mais se laisse déceler au vers 24. Enfin, Kai Huk et Telaïsa pour le fragment 1. Le chant à Cupris est certes très fragmentaire, mais il n'est pas possible de savoir... Le chant à Cupris étant très fragmentaire, il n'est pas possible de savoir si ces marques apparaissaient dans la suite du poème. Mais il n'est pas absurde non plus d'en faire l'hypothèse, hein, une hypothèse étayée sur les constantes genrées relevées dans le poème saphique. Comment ne pas être prise de vertige, etc. Donc, cette fois-ci, je reprends la traduction, pourquoi, etc. Donc, dans ce poème, Eros se manifeste par un ensemble d'effets sur l'âme et le corps, d'une femme. Un jeu
qui apparaît cependant paradigmatique de toutes les personnes atteintes par Eros sans distinction de sexe. Passons maintenant à l'autre poème, Titon et Sappho, dans le fragment 58 du papyrus de Cologne. À plusieurs reprises, les chants de Sappho, lorsqu'ils nous sont parvenus dans une forme plus étendue, développent le récit de Palaïa. Dans le cas, c'est le cas par exemple du fragment 16 où se trouve évoquée la figure d'Hélène quittant son mari pour aller à Troie. Ce procédé, celui qui consiste à enchâsser des Palaïas dans une énonciation qui se donne comme effet du présent, hic et nunc, ouvre la possibilité d'identification à l'intérieur de la fiction entre égaux et les personnages de l'histoire racontée, mais également à des identifications à deux bandes entre la personne qui entonne ce chant, celle qui devient égo le temps de la performance, et les figures qui apparaissent dans les palayas, dans ces mythes racontés. Dans ce jeu de parallèles, les frontières binaires, homme-femme, dieu-mortel, se trouvent souvent brouillées. Le fragment 58 développe une situation particulièrement intéressante par le jeu de parallèles transgenres que l'enchâssement apporte. Lisons-le ensemble. Des muses aux voiles de violette, enfant, accueillaient les beaux présents et la lyre mélodieuse amoureuse du chant. Mais mon corps, qui jadis était tendre, l'âge l'a saisi, et mes cheveux, auparavant noirs, sont désormais blancs. Mon souffle est court. Mes jambes se dérobent, ces jambes agiles qui me firent danser comme un jeune fan jadis. Souvent, je gémis. Mais que pourrais-je faire? Pour qui est humain, il n'est pas possible de ne pas vieillir. On raconte en effet que jadis, l'aurore aux bras de rose, emportée par Eros, enleva Titon et l'emmena aux confins de la terre, resplendissant de beauté et de jeunesse. La terne vieillesse pourtant le saisit, avec le temps, lui qui avait une immortelle compagne. Il suppose, offrirait, mais moi, j'aime la délicatesse. Pour moi aussi, Eros a fait mienne la splendeur du soleil et sa beauté. Alors, l'interprétation habituelle du poème, que ce soit avant et après la découverte du papyrus de Cologne, consiste à y voir un chant sur la vieillesse et sur l'âge qui avance. Souvenez-vous du titre de l'ouvrage de 2009, The New Sappho on Old Age. Les commentateurs fondent leur analyse sur l'histoire de Titon, telle qu'elle est racontée, chantée, dans l'hymne homérique à Aphrodite. Là se trouve chanté le moment où Aphrodite rassure son amant Anchise en lui disant qu'elle ne le rendra pas immortel et qu'elle ne lui fera pas subir ce qu'a vécu Titon, à savoir la vieillesse immortelle. C'est un homme de votre race, Titon, pareil aux immortels, qui fut enlevé par Aurore au trône d'or. Je cite l'hymne Aphrodite. Elle s'en fut demander aux chronides des nuées sombres de lui donner l'immortalité et la vie pour toujours. Zeus y consentit d'un signe de tête et exauça son vœu. Quelle naïveté! Elle ne songea point en son esprit, l'auguste Aurore, à demander la jeunesse et la faveur d'effacer la funeste vieillesse. Tant qu'il y avait la charmante jeunesse, il jouissait de l'amour d'Aurore au trône d'or, fille du matin, et demeurait sur les bords de l'océan au bout de la terre. Mais quand les premiers poils grisonnants se répandirent sur son bon front et dans sa sombre barbe, l'auguste Aurore s'éloigna de son lit. Elle le nourrissait de froment et d'ambroisie au fond de sa demeure et lui donnait de beaux vêtements. Mais lorsque l'odieuse vieillesse l'eut accablé de tout son poids et qu'il n'eut plus la force de mouvoir ni de relever ses membres, voici quelle idée parut la meilleure à son esprit. Elle le déposa dans un appartement dont elle poussa les portes éclatantes. Il répand sans cesse un flux de paroles et n'a plus rien de la vigueur qui résidait naguère en ses membres flexibles. Je ne voudrais pas, Anchise, te voir comme lui, immortel parmi les immortels, vivre sans fin. L'interprétation du fragment 58 comme une réflexion sur la vieillesse et l'âge qui avance, fondée sur le lien avec l'hymne homérique,
repose en grande partie sur l'idée que le « je » du poème saphique est autobiographique et sur l'opposition entre le monde du chant et celui des temps passés, celui des palayas, qu'introduit le récit de l'amour de Titon et d'Eos, d'Aurore. Un parallèle serait établi, pense-t-on, entre Titon et Sappho la poétesse. Tous deux voient le temps marquer leur corps. Tous deux vieillissent. Cette interprétation d'une Sappho vieillissante était déjà émise dans les lectures que firent certains du fragment 58 avant la découverte du papyrus de Cologne. Nous ne disposions que de cela, et la présence du nom d'Aurore, vers 19, ici, permettait de deviner la référence à l'histoire de Titon. Le mot « Géras » au vers 13 avait focalisé toute l'attention. Or, la découverte de ce nouveau papyrus et de ce fait une meilleure connaissance de ce poème aurait dû faire évoluer les interprétations. Il apparaît qu'il n'en est rien. Et voici une synthèse des interprétations du sens général de ce poème. Alors, pour certains, le poème est un poème sur la vieillesse. C'est la lecture majoritaire. Sappho vieillit, elle a les cheveux blancs, elle gémit, elle est malheureuse, seule sa réputation lui survivra. Autre interprétation, le poème est un nouvel espoir, un exemple positif ou une consolation. Ensuite, le poème est un exemple négatif, des choses à éviter, destiné à prévenir les mortels du temps qui passe. Pour d'autres, il est performé dans un contexte pédagogique ou initiatique. Et pour d'autres encore, il comporte une dimension pragmatique, Claude Calame fait partie des interprètes de cette interprétation, ou encore une dimension pragmatique et érotique, John Winkler ou encore Beringer et Calame. Vous le constatez, une lecture dans un sens érotique de ce poème a été développée par John Winkler sur le petit fragment du papyrus d'Oxyrinque. Or, personne n'a repris ce qu'il avait déjà soupçonné alors qu'il avait un tout petit morceau de papyrus. C'est Sappho and the Crack of Dawn. Dans son texte de 1990, John Winkler soupçonne un autre sens à ce poème, un sens érotique particulier avec une identification entre Titon et Sappho dans leur lien érotique à Aurore. Et c'est dans cette direction que je voudrais aller avec vous, avec la chance que nous avons de disposer d'un texte plus long aujourd'hui. Reprenons. Des muses aux voiles de violette enfant accueillaient les beaux présents, la lyre mélodieuse amoureuse du chant. Mon corps, qui était jadis tendre, l'âge l'a saisi, et mes cheveux, auparavant noirs, sont désormais blancs. Mon souffle est lourd, mes jambes se dérobent, ces jambes agiles qui me firent danser comme un jeune enfant jadis. Souvent je gémis, mais que pourrais-je faire ? Dans les premiers vers, l'énonciation énoncée présente le poème comme étant chanté par Sappho Ego devant un jeune public, Païdès. Le chant se donne comme étant lui-même un don que la performance musicale et chorégraphique rend effectif. Sappho Ego parle d'une impossibilité physique, avec un parallèle évident pour le public de l'époque, entre les effets de l'âge, d'une part, et ceux traditionnellement attribués à Eros. Puis, elle parle d'une impossibilité morale. Que pourrais-je faire ? Le glissement entre ces deux types de manifestations se fait par la référence au thumos, qui est à la fois le souffle, l'élan et le siège des émotions morales qui ont un effet sur le corps. Cela se fait aussi par la mention d'une réaction vocale, un gémissement différent du chant mélodieux évoqué dans l'Incipit et que ce chant est censé être. Puis, la poétesse, par le récit d'un événement du passé, établit un parallèle implicite entre la situation chantée dans les premiers vers et Titon. L'assimilation vieillesse-éros est réactivée par les échos entre Eros et le temps, Chronos. Eros vers 10 et Chrono vers 12. Mais il ne faut pas se tromper.
Les signes du temps ne sont pas toujours des signes du temps. Et il me semble utile de lire la poésie dans les métaphores qu'elle a l'habitude de développer à l'époque préclassique. Ainsi, Claude Calam a bien mis en évidence la proximité entre les symptômes du temps, de la mort et de l'amour dans son Héros en Grèce ancienne et dans son édition d'Alcmon. Voyez par exemple ces vers chantés par des jeunes filles à leur corrège. Je cite, c'est le fragment des Parthénées, fragment 26 dans l'édition de Claude Calam. Par un désir qui rompt les membres, Lucie Mélaïte et Possoï, elle me lance des regards plus envoûtants que le sommeil ou la mort, et sa douceur est souveraine. Pensons-nous réellement qu'il faille prendre cela au premier degré? Pensons-nous vraiment que Sappho a composé un poème uniquement pour rappeler le temps qui passe et les atteintes du temps sur le corps? Trouver de nouveaux fragments est une chance, un miracle, mais il ne faut pas, me semble-t-il, rester trop longtemps ébahi par l'effet de cette belle surprise. Et il ne faut pas se priver des outils de l'anthropologie et des travaux qui ont été produits par les chercheurs comme Claude Calam, John Winkler et même Michel Foucault pour tenter de comprendre ces productions si éloignées des catégories actuelles et de la sexualité. Reprenons le poème de Sappho. On raconte en effet que l'aurore, au bras de rose, emportée par Eros, enleva Titon et l'emmena aux confins de la terre, resplendissant de beauté et de jeunesse. La terne vieillesse pourtant le saisit avec le temps, lui qui avait une immortelle compagne. Relevons ensemble les multiples possibilités de parallèles que l'histoire de Titon et Aurore offre. L'exemple, le paradigme, n'est pas aussi simple que ce qui a été dit lorsqu'on assimilait Titon, âgé et grisonnant, à Sappho, gémissant sur son corps vieilli. Ce n'est pas le rapt de Titon que Sappho chante, mais un double enlèvement. Aurore est sous l'emprise de l'amour et du désir. Elle est prise par Eros, dont elle subit les effets. Titon, ravi, enlevé par Aurore, n'est que la seconde victime de la puissance d'Eros. Le parallèle se fait-il alors avec Aurore ou avec Titon? Si l'on considère Sappho ego, au moment où elle gémit, fragile en son corps vieilli, elle est à la fois mise en parallèle avec Titon pour la fragilité et avec Aurore, la déesse, pour son autorité de poétesse face à des païdes. À l'inverse, si l'on considère Sappho ego, toute jeune, chantant, dansant comme les jeunes fans, elle est mise en parallèle avec l'immortelle déesse pour sa puissance de vie et avec Titon, sans expérience érotique lorsqu'il fut enlevé par la divinité. Et c'est cette identification, Titon-Sappho, qu'avait suggéré Winkler en 1990, ce que le papyrus de Cologne vient confirmer. Enfin, si l'on considère Sappho à tous les âges, elle est mise en parallèle avec Aurore, soumise à la puissance d'Eros, et avec Titon, seconde victime de ce ravissement. Les parallèles et ces parallèles dessinent des lignes, ces parallèles, pardon, j'essaie de voir la caméra, voilà, ces parallèles hein, dessinent des lignes qui se croisent, une personne donnée à imaginer dans le poème et donnée à incarner le temps du chant sont à la fois jeunes et âgés, à la fois forts et faibles, à la fois séducteurs et séduits, à la fois jeunes et vieux, à la fois enlevés et kidnappeurs, à la fois actifs et passifs, à la fois hommes et femmes, à la fois Aurore et Titon. Ce qui est donné à voir ici par ces palaïas, ces mythes hein, chantés et dansés, et ces identifications multiples, car lors de la performance,
devient je, la personne qui chante, quel que soit son âge, eh bien, ce qui est donné à voir ici, ce sont les multiples formes du désir et la fluidité des identités de genre. Pour conclure, ces nouveaux fragments qui portent sur un mythe érotique, Aurore, Titon, et sur les symptômes de l'amour, viennent confirmer certaines hypothèses ou constats que nous avons faits à partir d'autres fragments de Sappho, sur le genre et sur la nature d'Eros. Ces nouveaux fragments nous permettent aussi aujourd'hui d'être également plus clairs sur le genre fictionnel dans le poème et sur l'Eros tel qu'il est exprimé dans les vers de Sappho. Eros a malmené mon cœur, comme le vent dans les montagnes s'abat sur les chênes. Si Eros n'a pas de genre, et si les corps atteints par Eros peuvent être des deux sexes, il s'avère, comme souligne le parallèle implicite du fragment 58, que l'Eros entre deux femmes est le paradigme le plus adapté pour Sappho, pour rendre compte de ses effets sur le corps et de sa force. Le paradigme le plus adapté pour rendre compte d'un Eros plein et puissant. Loin du masculin neutre de nos sociétés occidentales contemporaines, le neutre chez Sappho, mais également pour toutes celles et tous ceux qui, dans les siècles qui suivront, chanteront ces poèmes, le neutre, disais-je, est au féminin. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Sandra, pour cette conférence si riche, si fluide. Tu as eu, à mon avis, c'est une grande habileté de parler des choses très compliquées d'une manière très compréhensible et accessible. Merci beaucoup. On va voir. Attends, je vois s'il y a des questions qui ont été faites sur le chat. Non, j'ai ici, mais je pense qu'on ne va pas la projeter sur l'écran. La question est en anglais, mais bien sûr, tu peux la répondre en français et moi, je la traduis. Thinking of the importance that these poems have socially in the sense of legitimation in a mythological past, can we consider Sappho as a proof of an acceptance of relationships between two women in the archaic period, or do we need more proofs for that? If so, do you think there has been a change in that acceptance over time? T'as compris mon anglais? Je pense que j'ai compris la deuxième partie. Je tente, je vais répondre. Alors, c'est difficile de dire acceptation, hein, acceptance, parce que si on accepte, ça veut dire qu'on reconnaît déjà qu'il y a une différence. Je ne sais pas si tu veux traduire phrase après phrase, Agatha. Oui, c'est mieux. É um pouco complicado falar de aceitação, porque aceitação mantém uma diferença. En fait, j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'à l'époque pré-classique, qu'à l'époque archaïque, tous les élans relevant d'Eros étaient considérés comme étant semblables. Donc, l'acceptation, oui, mais sans conscience de l'acceptation. Enfim, ela considera que na antiguidade grega, né, justamente Eros não faz distinção de gênero.
né, o Eros é o mesmo para todas as pessoas. Então, é a própria questão da aceitação que não se coloca. Alors, est-ce qu'on a besoin de davantage de preuves? On a toujours besoin de preuves. On veut toujours plus de textes. Sim, sobre a questão de precisar de mais provas, a gente quer sempre mais textos e mais evidências. Mais il me semble quand même que dans les poèmes de Sappho, c'est très clair, hein, cette capacité qu'a Sappho de dire publiquement un héros entre femmes nous permet de penser qu'il y avait une acceptation sociale. Mas justamente pelo fato, né, de ter essa tradição poética com em Safo, né, cantando esse amor, deixa meio que claro que esse amor não era um problema, né, não havia justamente por nós haver diferenciado dos amores eros. Et nous avons aussi hein, les textes d'Alcman, les Parthénées, qui sont très très longs et qui sont de longs morceaux, enfin, passages où on voit clairement l'expression d'un élan homoérotique des choreutes, hein, des jeunes filles, pour leur corège. Et nous avons aussi les Parthénées de Alcman, qui sont textes longs, né, où vous avez a expressão do desejo no feminino, né, das jovens que estão fazendo parte do coro, pela regente do coro, né, que também é uma mulher. E on a aussi trouvé une grande assiette, un plat sur l'île de Santorin à Terra de 650 avant notre ère, où on voit deux femmes dans un geste qui semble très homoérotique également. Et também encontramos, pardon, tu peux répéter juste la description de l'objet. C'est une assiette, une sorte de plat polychrome, où on voit deux femmes symétriques dont l'une touche le menton de l'autre avec un échange de couronnes. Então, eles encontraram um prato, né, com a imagem de duas mulheres, uma acariciando a outra, né, no rosto, que é, na iconografia, um ato erótico. Donc clairement, je pense qu'à l'époque archaïque, c'était un élan érotique accepté. Après, la question qui reste, c'est dans quel milieu social? Ça, on n'a pas forcément d'attestation. Donc, na época arcaica, sim, o relacionamento era aceito, não causava nenhum espanto, né? Mas a gente não tem como saber em que meios sociais isso acontecia. Et pour la question sur la suite, les siècles ensuite, la question ne serait pas tant de l'acceptation que celle de la reconnaissance sociale. Attends, je vais expliquer à Agatha parce que je ne suis pas très claire, pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque classique, on n'en parle pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, ça veut juste dire qu'on ne lui attribuait pas une valeur sociale. Ela está chamando atenção ainda para a diferença entre aceitação e reconhecimento social, né? E, enfim, e o fato de que a gente também não, né, não tenha menções a isso não implica que não existia. Né? A gente não tem fontes do século V fazendo referência a relações entre mulheres, mas também não significa que isso não tinha, significa que talvez não tivesse reconhecimento social. Et pour ça, ça n'apparaît. Mais chez Platon, le fait même que cet élan érotique soit évoqué dans le banquet et aussi qu'il y ait une référence à Sappho dans le Phèdre prouve clairement que pour Sappho, il y a une fonction, en tout cas une importance de cet élan érotique. Mais ainda assim, né, em Platão, e sobretudo na referência à Safo no Fedro, né, deixa claro que existe uma referência, né, em Safo a esse impulso erótico. Alors, c'est un peu difficile de dire jusqu'à l'époque romaine, mais
Bien évidemment, il y a eu des périodes où cet élan érotique a été particulièrement moqué avec des personnes qui ont été, qui ont fait l'objet de railleries ou de caricatures. E é, enfim, é mais difícil falar até o período romano, mas no período romano tem muito texto que zomba, né, das relações homeróticas. E que vai fazer... Mais globalement, disons que c'est difficile de répondre spécifiquement pour les relations entre femmes parce que c'est aussi tout un dispositif où l'homosexualité n'est jamais opposée à l'hétérosexualité. Et sobretudo, en particulier no, no caso das mulheres, né? Mas a gente, enfim, no sentido de ter pouca referência, mas. O que deve ser pensado é que não existe na antiguidade justamente essa divisão entre heterossexualidade e homossexualidade. D'ailleurs, chez Platon, on le voit dans le mythe raconté par Aristophane, où il décrit hein, l'élan érotique des boules coupées. Ce qui compte dans l'élaboration du schéma par Aristophane, c'est pas la nature de l'élan érotique, un homme pour une femme pour une femme, etc. C'est l'intensité. Est-ce que c'est normal ou Né, e em Platão, no banquete, no discurso, enfim, nas bolas que se dividem para formar os pares, né, a questão, o que está sendo o que não é valorizado ali não é exatamente o encaixe da bola, mas a intensidade do desejo. Merci, Agatha. Hein? C'est pas facile. Hein? Não sei. Voilà, je pense que pour là, sinon, ça pourrait être trop long. Oui, c'est vrai. Mais merci pour la question. D'autres questions? Je pense que la question de Guilherme Gauthier de Flores, traducteur de Safo, en brésilien, en portugais du Brésil, la question est posée en français. Ouais. Que peut-on faire de la tendance au silence quand on voit qu'une bonne partie de la philologie prétend ne pas voir l'homosexualité? L'homérotisme, pardon, des poèmes et des hétéros générales. Alors, la tendance au silence, c'est clairement la tendance au silence du monde académique, on est d'accord. J'ai bien compris la question, n'est-ce pas, Agatha? Oui, bien sûr. Et donc, non, mais c'est ce que j'ai voulu montrer avec le fait que, alors même qu'on avait un papyrus bien plus long, on a continué à mettre les mêmes interprétations sur la vieillesse ou ce genre de choses. Il y a ça, bien sûr, mais effectivement, dans le monde académique, très souvent, certains disent que ce n'est pas leur sujet de recherche. Eux, ce qui les intéresse, c'est le texte. Il y a cette première chose, il y a les papyrologues. Pas tous, hein, pas tous, mais certains papyrologues. Après, pour les historiens, ce qui est compliqué, c'est que très souvent, tout simplement, la question de la sexualité et de l'érotisme ne fait tout simplement pas au centre de leur intérêt. Ils pensent pouvoir décrire une société sans considérer que le dispositif de sexualité est très différent. Donc, quoi faire? Ben, ce que Arcaï fait aujourd'hui, des conférences, publiées dans toutes les langues. Voilà, j'essaye de... Voilà, l'idée, ça serait de peut-être de faire un réseau international encore plus important. Qu'on essaye de, je dis plus important parce que nous avions un petit réseau à Paris, en France, qui était un réseau de chercheurs en études genre, sexe et sexualité dans l'Antiquité. On était une bonne quinzaine, très actifs, on a fait intégrer les étudiants, plein de gens, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire peut-être à un niveau international. Je vais faire un résumé. Mais elle parlait justement du besoin de faire des conférences comme celle-là, de, parce que de créer des réseaux
Elle parlait d'une association en France. Tu veux parler en brésilien, peut-être? Desculpa. Desculpa, gente. Tá dando tilt. Deu um tiltzinho aqui, vocês me desculpem mesmo. Né? Mas é, ela falava, então, que é importante, né, fazer conferências como essa, publicar os artigos, enfim, publicar as pesquisas, né, e divulgar essas pesquisas, e construir também redes. E aí, sim, ela falava, né, de uma rede francesa, de muita troca, mas que talvez fosse interessante também pensar em rede... em redes internacionais, né, onde justamente para a gente trocar e difundir, dar maior visibilidade a essas pesquisas que já estão sendo feitas tem algum tempo. Vai lá. On a encore des questions? Oui, une question de Maria Cecília Miranda, querida da FMG. Sandra and Gabriela and Agatha for organizing this. Could we make a parallel between Sappho and Gorgias in the encoming of Helen? Mainly in paragraph 19, when he talks about pleasure, Helen, the pleasure Helen felt when looking at Alexander's body. Alors, c'est une question, bien sûr, c'est une question intéressante. En fait, il est toujours intéressant de comparer comment la figure d'Hélène a fait l'objet hein, de compositions poétiques. Chez Alcée, chez Sappho, ensuite chez Gorgias. Alors oui, la réponse est oui, il faut travailler les textes en écho. Mais comment dire, moi, je pense quand même qu'il y a un traitement de la figure d'Hélène qui est propre à Sappho. Dans le fragment, dans le fameux passage, on évoque la raison pour laquelle Hélène a fui et est partie avec la justification d'Eros. Je suis désolée, c'est pas très clair comment pour que tu puisses le traduire, Agatha. Disons que je pense que le focus qu'a mis Sappho sur Eros comme raison pour fuir et enfin pour poursuivre son amant me semble quand même quelque chose de spécifique à Sappho. Então, ela respondeu que sim, a figura de Helena, né, é uma figura muito interessante com, não só na literatura grega em geral, né, que essa figura que provoca Eros, mas ao mesmo tempo que ela vê um uso muito particular da figura de Helena em Sappho. Então, sim, claro, num sentido, a figura de Helena faz parte, né, de um topos de Eros, mas tem um tratamento mais específico de Sappho para essa figura. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans le fameux fragment 16, c'est à nouveau un parallèle entre un amour chanté dans la fiction du poème qui est homoérotique, avec parallèle avec un palaya que nous on appellerait hétéroérotique. Ça veut dire à nouveau, c'est la même chose qui se produit avec Titon et Aurore, hein, c'est de nouveau cette possibilité de créer des parallèles où le sexe même des personnes n'entre pas en compte dans ce parallèle. E ela faz referência ainda ao fragmento 16 de Sappho, onde, né, tem a figura de Helena, e chama mais uma vez a atenção para essa... para impertinência, digamos, né, ou para indistinção da questão de gênero no Eros grego, porque no fragmento 16, novamente, a gente tem um amor, né, o amor de Helena por pares, então uma configuração que nós chamaríamos de heterossexual, mas que é usada ali como modelo de amor. Então, justamente, a questão, essas categorias de homossexualidade e heterossexualidade, elas simplesmente não existem ali, não são pertinentes, não tem, não estão em jogo. Cela dit, je connais pas suffisamment bien, j'ai pas à l'esprit totalement tout ce que Gorgias dit à ce moment-là, mais
Pour faire une comparaison, une vraie comparaison, ou un parallèle, c'est important aussi de connaître précisément le contexte de performance, le contexte d'exécution. Et dans le cas de Sappho, on sait que cette chanson était destinée à être chantée à un moment donné et que finalement, l'évocation d'Hélène est censée avoir un effet sur le Iketnouk de la performance. Alors que dans le cas de l'éloge de Gorgias, moi, je ne sais pas, en fait, dans quel contexte ça a été performé. Si vous le savez, d'ailleurs, je serais intéressée d'avoir, d'avoir votre réponse. Et peut-être aussi, si vous pouvez répondre, ou vous m'avez posé la question, mais si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez peut-être préciser, je serais intéressée de le savoir. E ela estava observando que uma coisa muito importante na comparação é prestar atenção no contexto, né, do poema ou do texto. Enfim, no caso dos poemas de Sappho, a gente sabe que tem esses poemas tinham uma ocasião de execução, cantada, dançada, e, né, muitas vezes a evocação de Helena, ela no, esse espalaiá, né, a evocação de Helena tem um efeito no Iketnouk, né, no presente, em que esse canto está sendo cantado e dançado. Ao passo que em Gorgias ela mesma não sabe muito sobre o contexto, né, do elogio de Helena. Então ela pediu, inclusive, que se a Maria Cecília tivesse, né, já pistas de ou pudesse esclarecer sobre essa questão do conceito, do contexto, desculpa, do elogio de Helena, se ela já tivesse pistas nesse sentido, que ela está muito interessada nessas referências. E se a Maria Cecília puder responder no chat mesmo, ela agradece muito. Agatha, creio que seja tudo. Ok. Então, encerramos as perguntas. Eu vou agradecer primeiro em português, para que todos entendam. Peço desculpas aí pela minha falha, porque quando a gente fica mais cansado, traduzir na hora assim fica mais difícil. Mas acho que todo mundo se compreendeu e era esse o objetivo. J'aimerais remercier encore Sandra d'être là. J'espère vraiment que dans un futur proche, on aura l'occasion, voilà, de se retrouver dans un autre séminaire ou même un petit colloque et de pouvoir discuter en présentiel de vive voix. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on salue nos amis? Non, il n'y a plus de questions. Et donc, c'est ça. Okay. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Merci à Agatha et Mickey pour l'invitation. Et vraiment, j'espère qu'on pourra, je pense que ça sera plus agréable de se voir en vrai, de travailler sur les textes ensemble pour continuer cette réflexion sur Eros chez Sappho et peut-être aussi chez Platon et chez d'autres ensuite. Mm-hmm. Parfait.